Cette journée d'interligue était tellement serrée que nous avons été vraiment surpris des développements qui sont réalisés, mais c'est ça, on n'était pas prêt pour cette interligue là, mais on fait avec. Voilà, donc on est encore lourd, on espère qu'il y aura beaucoup de compétitions pour pouvoir vraiment acquérir vraiment la vitesse que nous désirons pour la saison. La saison a mal commencé avec beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Eh bien, dis que mon impression, c'est la compétition. On dit qu'il y a longtemps, on a vu ces gens de compétition. Moi, pour l'émotion, je regrette, il n'y a pas 5 mètres, il n'y a pas 100 mètres, il n'y a pas 300 mètres. Je suis sûr de la compétition à réussir. Voilà, quand je vois la nouvelle génération qui s'est foule, venue vraiment avec le temps, je vois vraiment que l'athlétisme commence à être net à nouveau. Voilà. Bonjour. Bonjour qui chers téléspectateurs, moi c'est Pascal Bienvenu. J'ai été ravi de pouvoir participer à cette compétition et je suis sorti troisième de la compétition. Et je remercie aussi beaucoup le président pour tout l'effort qu'il fait, qui envoie de nouvelles disciplines, qui encourage surtout les plus jeunes à venir participer. Mais je pousse aussi les officiels aussi à suivre beaucoup la course qui se déroule, parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus sur la course. Il y a eu des athlètes qui sont sortis de couloir, il y a des athlètes qui ont bousculé d'autres athlètes. Et tout ça, pour pouvoir élever le niveau, on devait penser à corriger toutes ces petites erreurs. Merci. Salut, moi c'est Roxane Teki. Je suis athlète de la Ligue Sud. Je suis coureuse du sprint 100, 200, 400. Ce que j'ai aimé pendant cette compétition, c'est qu'on a réalisé beaucoup de performances et on a modifié beaucoup. Parce que le samedi passé, lors des interclubs, on a fait les 100 mètres en 11 et aujourd'hui on a répété les mêmes 11. Donc je suis contente, mais les 200 mètres, il y a un peu déraillé parce que de 25-0 sur le temps à 25-10. Donc, mais on attend encore à 15 heures les 4 fois 100 mètres, on est sûr qu'on va gagner les 4 fois 100. Merci. À mon mari Félicité, athlète de la Ligue de Bandoukou. Je fais la hauteur et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse parce que aujourd'hui j'ai battu mon record.